Des milliers d'automobilistes prennent chaque jour leur voiture pour se rendre au travail et se confrontent aux problèmes du trafic, notamment lors de la traversée des ponts. Désormais, le bonus mobilité les incite à changer leurs habitudes. Alors, il est 8h45, je vais m'apprêter à partir au travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon application Vtrafic pour regarder déjà le temps que je vais mettre pour aller jusqu'au travail et puis surtout s'il y a des embouteillages. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, tous les jours, en fait, si j'arrive à décaler mes horaires de départ et que je ne pars pas pendant les heures de pointe, eh bien, je participe à un jeu qui s'appelle Bonus Mobilité et je vais pouvoir gagner des points et peut-être remporter plein de cadeaux. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet irbi.fr et de connecter les différentes applications avec les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe. Covoiturage, changement d'itinéraire, report sur les transports en commun vous feront augmenter votre cagnotte. On s'est posé une question, on s'est dit, mais pourquoi pas intégrer les gens qui sont dans leur voiture tout seuls? Parce que ça, c'est très intéressant, c'est les gens qui nous intéressent. Et l'élément intéressant, c'est si elle va décaler ses horaires de travail. Elle va partir plus tôt. Plus tard, elle va permettre de décongestionner la route, donc de limiter les bouchons sur la route. Et ben, pour la récompenser, on va lui offrir des points, des cadeaux, des remises qui vont être offertes par qui? Par les commerçants locaux de la ville. 35 offres partenaires et plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 30 juin 2019. Vous pourrez peut-être remporter l'un des 10 vélos électriques siglés Bordeaux Métropole.